Yo les gens, je suis Avril2003, ce matin on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel Brutality Mortal Kombat 1 saison 2. Et ce matin, on se réattaque au papa Viltrumite de la série Invincible joué par J.K. Thompson, l'acteur qui joue J. Jonah Jameson. Je veux bien sûr parler de Omni-Man. Et pour ce tutoriel Brutality Omni-Man, le premier tutoriel nous avions 5 Brutality. Maintenant, Omni-Man est rendu à 8 Brutality à apprendre. Sur ce, je vous dis à tout de suite! Alors, pour le premier Brutality de Omni-Man, c'est le Brutality, le classique. En anglais, The Classic. Maintenez triangle Y ou X pendant le coup. Le coup fatal doit être porté avec bas et triangle en même temps, ou bas et Y en même temps, ou bas et X en même temps. Alors, bas et triangle en même temps, ou bas et Y en même temps, ou bas et X en même temps, l'uppercut. Rien de plus simple. Comme ça. Et pendant l'uppercut, vous allez maintenir triangle Y ou X, qui est le bouton qui sert à activer l'attaque. Rien d'autre à dire. Finissez votre adversaire avec votre uppercut tout en maintenant triangle Y ou X. And there we go! C'est un Brutality qui est partagé avec tous les personnages jouables. Allez, prochain Brutality. Alors, derrière toi est le nom de notre deuxième Brutality pour Omni-Man. En anglais, Behind You. Maintenez le bouton bas pendant le coup. Le coup fatal doit être porté avec Armageddon. Alors, Armageddon, c'est la projection arrière de Omni-Man, c'est-à-dire L1 sur PlayStation, Left Button sur Xbox ou L sur Nintendo Switch. Ce qui devrait donner un truc du genre... BAM! Comme ça! Pour les commandes style arcade, carré et croix en même temps sur PlayStation, X et A en même temps sur Xbox ou Y et B en même temps sur Switch. Ça marche aussi. And BAM! J'ai rien d'autre à dire. Finissez votre adversaire avec la projection arrière d'Omni-Man tout en maintenant le bouton bas. Et... Ça y est, t'as compris? As Omni-Man proven his point. Référence à la mort de War Woman dans Invincible. Allez, suivant. Pour le troisième Brutality de Omni-Man, c'est le Brutality J'arrive. En anglais, Coming Through. Maintenez carré X ou Y pendant le coup. Le coup fatal doit être porté avec le coup spécial Éviscérateur. Alors, pour le coup spécial Éviscérateur, ce sera arrière-avant triangle sur PlayStation, arrière-avant Y sur Xbox ou arrière-avant X sur Nintendo Switch. Ce qui devrait donner quelque chose du genre... Comme ça! Et encore une fois, mais cette fois-ci, dès que vous allez... quand l'animation du coup spécial va commencer, vous allez maintenir carré X ou Y. Ouais! Encore une fois. Super simple. C'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Finissez votre adversaire avec le coup spécial Éviscérateur tout en maintenant carré Y ou X. Oh yeah! Ça y est, t'as compris? Brutality. Ça y est, t'as compris? Flawless victory. As Omni-Man proven his point. Ça, c'est une autre référence à la mort d'un soldat de Cécile dans la série Invincible. Allez! Prochain Brutality. Alors, pour le quatrième Brutality de Omni-Man, c'est le Brutality Tu t'es fait désosser. En anglais, You got boned. Appuyez sur ba-ba-ba pendant le coup. Le coup fatal doit être porté avec le combo Contenu renversé. Pour le combo Contenu renversé, ce sera avant et cercle en même temps, suivi de carré et de carré et croix en même temps sur PlayStation. Avant et B en même temps, suivi de X et de X et A en même temps sur Xbox. Et pour Nintendo Switch, ce sera avant et A en même temps, suivi de Y
et de Y et B en même temps sur Nintendo Switch. Ce qui devrait donner quelque chose du genre... comme ça! Pour ceux qui le désirent, carré et croix en même temps se remplacent par L1, X et A en même temps se remplacent par left button, et Y et B en même temps se remplacent par L. Ça marche aussi. Super simple, rien de plus à dire là-dessus. Finissez votre adversaire avec le combo contenu renversé tout en maintenant en appuyant 3 fois sur le bouton bas. Mais ce qui est amplement conseillé, spammez le bouton bas. Contenu renversé. Spam du bouton bas. Oh yeah! Trop lent, trop faible, trop facile. Brutality! Omni-Man wins. Flawless victory. Référence à la mort de Darkwing dans la série Invincible. Oui, Darkwing a essayé de surprendre Omni-Man à la Batman, mais il s'est pas laissé faire. Il l'a grabé par le pied et lui a explosé la tête au sol comme une poupée de chiffon. Anyways, il existe une fin alternative pour ce Brutality. Je vais vous montrer comment l'exécuter. Alors, pour la fin alternative de ce Brutality, vous allez remplir les mêmes conditions. Achevez votre adversaire avec le combo contenu renversé tout en maintenant appuyant 3 fois sur le bouton bas. Mais spammer le bouton bas, c'est mieux. Mais dès que l'animation du Brutality commence, vous allez maintenir les deux gâchettes en même temps. L2 et R2 sur PlayStation, Left Trigger et Right Trigger sur Xbox ou ZL et ZR sur Switch. Et... yeah! 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 Yes! J'approuve. Allez, prochain Brutality. Alors, pour le 5e Brutality de Omni-Man, c'est le Brutality... T'entends ça? En anglais, you hear that? Maintenez le bouton arrière pendant le coup. Le coup fatal doit être porté avec le coup spécial Mega Clack. Alors, pour le coup spécial Mega Clack, ce sera... arrière avant carré sur PlayStation... arrière avant X sur Xbox ou arrière avant Y sur Switch. Ça devrait devenir quelque chose du genre comme ça. Et pendant l'animation du coup spécial, vous allez maintenir le bouton arrière. Il n'y a rien de plus simple. Tout ce qu'il y a à dire pour ce Brutality, finissez votre adversaire avec le coup spécial Mega Clack tout en maintenant le bouton arrière. Les parents doivent être déçus. Brutality! Omni-Man wins. Flawless victory. L'air qui a écorché vif l'adversaire, ça, c'est quand même un beau coup. Allez, prochain Brutality. Alors, pour le 6e Brutality de Omni-Man, nous avons le Brutality Supplice Atroce. En anglais, Split End. Maintenez le bouton bas pendant le coup. Le coup fatal doit être porté avec le combo aérien tâche de botte. Alors, pour le combo aérien tâche de botte, ce sera à faire dans les airs. Ce sera carré, triangle, carré et croix en même temps sur PlayStation. X, Y, X et A en même temps sur Xbox ou Y, X, Y et B en même temps sur Switch. Faut que notre adversaire soit dans les airs pour faire cela. Parce que l'adversaire n'aura pas tout le temps tendance à sauter, fait que... ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un combo qui mène à ce combo aérien. Ça d'abord. Avant et croix en même temps sur PlayStation. Avant et A en même temps sur Xbox ou avant et B en même temps sur Switch. Suivi de posture de Viltrumite, c'est-à-dire bas arrière croix sur PlayStation, bas arrière A sur Xbox ou bas arrière B sur Switch. Et après ça, pendant la posture Viltrumite, vous faites carré croix X ou Y. Ça l'emmène dans les airs. Carré triangle, carré croix en même temps. Pour ceux qui le désirent, carré et croix en même temps se remplacent par L1
X et A en même temps se remplacent par left button et Y et B en même temps se remplacent par L. Ça marche aussi. C'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Finissez votre adversaire avec le coup, le combo aérien tâche de bas tout en maintenant le bouton bas. On va faire un beau combo pour faire ça. Et maintenez le bouton bas. Ça y est, t'as compris? Ça y est, t'as compris? As Omni-Man proven his point. J'adore ce Brutality, c'est cool qu'ils aient donné un sixième Brutality à Omni-Man dans ce dernier patch. Allez, prochain Brutality. Alors, pour le septième Brutality de Omni-Man, c'est le Brutality détruit. En anglais, destroyed. Maintenez le bouton arrière pendant le coup. Le coup fatal doit être porté avec le combo revers méprisant. Alors, pour le combo revers méprisant, ce sera arrière et carré en même temps suivi de carré sur PlayStation. Arrière et X en même temps suivi de X sur Xbox. Ou arrière et Y en même temps suivi de Y sur Nintendo Switch. Ce qui devrait donner quelque chose du genre... comme ça! C'est un combo starter. Un combo qui est un combo starter. Parfait pour enchaîner un combo ou pour en commencer un pour faire un combo au aérien. Mais ça, ici, c'est pas une vidéo pour apprendre à faire des combos. Je ferai des vidéos pour faire des combos plus tard. Et pendant l'animation du combo, vous allez maintenir le bouton arrière. J'ai rien d'autre à dire pour ça. Finissez votre adversaire avec le combo revers méprisant tout en maintenant le bouton arrière. Here we go. Ouh! T'as compris? Ça y est, t'as compris? As Omni-Man proven his point. Ça fit vraiment Omni-Man's Brutality. J'adore. Allez, prochain et dernier Brutality. Et pour finir, avec le huitième et dernier Brutality de Omni-Man, c'est le Brutality Tour du Monde. En anglais, Around the World. Maintenez le bouton avant pendant le coup. Le coup fatal doit être porté avec le combo pilleur de planète. Pour le combo pilleur de planète, ce sera carré, triangle, triangle sur PlayStation. X, Y, Y sur Xbox ou Y, X, X sur Nintendo Switch. Ce qui devrait donner ceci. Super simple. Et pendant l'animation du combo, vous allez maintenir le bouton avant. C'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Finissez votre adversaire avec le combo pilleur de planète tout en maintenant le bouton avant. Et... oh! Quel roux pour ton espèce! La tête qui revient par la gauche de l'écran pour se détruire contre Omni-Man, c'est juste trop drôle à voir. N'importe quoi! Et on va terminer cette vidéo avec les fatalities et l'animality de Omni-Man. Et le premier fatality, tueur entraîné... de près, ça sera Baba arrière cercle sur PlayStation, Baba arrière B sur Xbox ou Baba arrière A sur Switch. Référence à une des fois où il a tenté d'assassiner son fils avec le train dans la série Invincible. Allez, prochain fatality. Deuxième fatality de Omni-Man, c'est le fatality malléable mi-haut qui sera bas avant arrière croix sur PlayStation, bas avant arrière
A sur Xbox ou bas avant arrière B sur Switch. La première partie du Fatality, c'est une référence à la mort de Red Rush dans la série Invincible. Red Rush s'est concentré sur Omni-Man. Red Rush a été trop gossant pour Omni-Man. Alors Omni-Man n'a pas hésité à se focus dessus et à lui écraser la tête. Et on termine ça avec l'animality de Omni-Man. Dernier recours monstrueux, mi-haut, avant-arrière, avant-bas. Il se transforme en Elmari, un monstre dans Invincible. D'ailleurs, vous saviez que c'est dans le même épisode que Elmari et qu'on a eu le retour de l'immortel dans la série Invincible. Vous allez me dire, il n'était pas supposé l'avoir déjà tué, l'immortel Omni-Man? Oui, mais vu son nom, l'immortel, il est revenu. Voilà qui marque la fin de cette vidéo autour de Omni-Man. Honnêtement, Omni-Man, c'est un bon guest pour Mortal Kombat. Vraiment, j'adore. J'ai jamais écouté Invincible, mais je connais toutes les références par cœur. Je me suis laissé spoiler. En fait, non, je me suis pas laissé spoiler. Juste été voir les références. Ne vous méprenez pas, je me suis pas laissé spoiler. Yo les gens, c'est Avril 2003. C'est la fin de cette vidéo dans un moment. Alors, j'en profite pour vous annoncer que il n'y a pas moi qui vous dit de vous abonner, il y a Johnny Cage qui vous dit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Profitez-en également pour voir d'autres de mes vidéos. Johnny Cage qui vous les recommande aussi. C'était Avril 2003, je vous dis bye tout le monde!